Hello, hello tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'essaye de vous faire un live ce matin, même si ma connexion n'est pas ultra stable. On va dire que pour l'instant, on va essayer de faire avec. Je teste en même temps un micro-cravate qui va sur mon Mac. Donc j'espère que le son de votre côté, il est bon. Et à tout moment, je peux arrêter le live parce que je suis d'astreinte pour le travail et que donc il peut arriver que j'ai à me connecter au travail pour bosser. Salut, ça va mieux que ben j'ai un petit peu tripatouillé, c'est un petit peu mieux. C'est pas la gloire, mais ça va un petit peu mieux. Oui. D'ailleurs, je n'ai pas réactivé mon petit piqueur de commentaires parce que j'ai pas pensé. Parce qu'en même temps, je vais être très peu assis à l'ordinateur vu qu'on va ce matin procéder au changement d'eau. Donc, pour mon changement d'eau, hein, salut Julien. Pour mon changement d'eau, donc sur ce bac. J'ai une cuve de préparation d'eau. Donc, pourquoi j'utilise une cuve à part? Parce que c'est plus pratique pour faire tous mes mélanges. Et en plus, j'en ai trouvé une avec une façade où on voit dedans. Hein, c'est un petit peu mieux quand même de voir dedans. Et par rapport à un seau de 25 litres. Et puis voilà, salut, bon dimanche, Cédric. Et voilà, donc ça c'est pour la partie setup. Donc on est parti pour le changement d'eau. Donc pour la première fois, en plus j'ai un couvercle. Donc ça permet de... Et d'une, quand, admettons, il y a quoi que ce soit, tu veux laisser les choses reposer, mais tu veux pas qu'il y ait trop d'évaporation, tout ça, tu mets un couvercle. Hein, et pour ceux qui se demandent, c'est une cuve en acrylique qui servait en cuve d'osmosé et qui peut resservir en cuve d'osmosé, j'y pense très sérieusement pour cet été. Et qui donc là aujourd'hui va me servir à ça. Donc pour mon changement d'eau, j'ai 25 litres d'eau osmosée. Salut Patrick. Salut Rodolphe. Ouais, là, enfin ça marche. J'ai un peu galéré sur les paramétrages. C'est pas top, je le vois bien. Mais on va essayer de faire en sorte que ce soit un petit peu sympa quand même en ce petit matin. Donc, première chose à faire, c'est mettre voilà, c'est pas grand-chose, hein, mais je mets l'eau tout de suite dans le bac pour la préparation. Voilà. Et je revalide que j'ai bien mes 25. Alors forcément, il y a quelques gouttes qui tombent. Hein, on n'est pas au microgramme près, mais je suis à mon trait des 25 litres. Ce qui est plutôt rassurant. Et la première chose à faire, ça va être de chauffer l'eau. Alors pour ça, j'ai un chauffage. Donc celui-là, c'est les nouveaux de chez T3E Aquarium. Je n'ai pas encore fait de vidéo dédiée. Vous avez déjà vu ce modèle-là dans la préparation d'eau de mon nouveau bac. Moi, je suis vraiment convaincu par ces modèles. Et qui en fait font via un changement de fréquence permettent de chauffer l'eau mais très très fort. Alors je suis con, je viens de tremper mon pull. Parce que ben je m'étais dit tiens je vais le faire, je vais le... et je suis resté en pull donc chose intelligente. Voilà, c'est fait, fallait que ce soit fait. Donc une fois que j'ai mis mon chauffage dans l'eau, je peux allez le brancher. Donc la partie branchement, vous n'allez pas forcément. En même temps, je pense pas que brancher un chauffage ce soit
la chose la plus folle de votre existence. Et sur cette triplette-là, j'ai plus de place. J'ai pas prévu de triplette. Si, mais si, j'ai une triplette pour mettre le chauffage. Voilà. Et voilà. Donc mon eau pour l'instant elle est à 19,8. On va la laisser monter en température tranquillement. Hein, ça c'est. Je vais me laisser ça pendre pour le voir. Hein, pour le voir, c'est-à-dire les chiffres vers le haut. Voilà. Pour que moi je le vois, je ne sais pas si vous le voyez pas. Bref, je sais maintenant que j'ai mon eau qui est en train de chauffer. Je vais commencer à préparer le sel et le brassage. Parce que pour que ça se mélange bien, il faut que l'eau soit chaude. Ça, c'est une évidence, hein, pour tout le monde. Enfin, j'espère. Et il faut qu'on ait du brassage. Alors pourquoi je chauffe et je brasse? S'il y a un débutant qui arrive, qui comprenne un petit peu. En fait, l'eau chaude va beaucoup plus facilement permettre le mélange du sel. Donc, si on chauffe l'eau, ça va se mélanger plus facilement. Et en même temps, je change 25 litres sur mon bac de 90, qui en réalité a à peu près 80 litres d'eau. Donc, 25 litres sur 80 litres, si je mets de l'eau à 15 degrés, mon vivant, là, il va pas aimer du tout. Donc, je chauffe mon eau, histoire de garder mon vivant vivant. Hein, et ça, c'est déjà pas mal. Hello, hello, salut Aquari Wolfgang. Eh ben, vous savez quoi? Ici aussi, ça coupe. Punaise. Bon, je m'étais dit, je mets un joli fond sur la télé et ainsi de suite. Mais si ça marche pas parce que j'ai pas de débit ce matin, ça va pas le faire. Où est-ce que j'ai mis ma télécommande? Je ne sais pas. Je ne sais plus, je suis perdu. On va éteindre ça puisque ça ne marche pas et ça me mange de la bande passante pour rien. Hein, donc heureusement, heureusement, j'enregistre. Et au pire, ben cette vidéo-là, ce sera une vidéo enregistrée. Et puis voilà. Que la communication, elle n'est pas simple ce matin. Mais pas simple du tout. Donc pendant que ça chauffe, je vais préparer mon brassage. Encore une fois, j'ai préparé dans mon seau une pompe de brassage. Donc c'est une pompe toute con. Voilà, où je vais mettre contre une des parois. Voilà. Pas trop au fond non plus, mais voilà. Et je vais mettre tout ça à tourner, à remuer. Comme ça, on va avoir du brassage dans mon bac de préparation. Pourquoi brasser? Parce que forcément, avec le chauffage, lui va chauffer autour de lui. Si l'eau bouge pas, eh ben, il va, une fois qu'il est chaud autour de lui, il y a le mouvement naturel de l'eau chaude et ainsi de suite. Mais il faudra mieux, comment dire, vaut mieux à ce moment-là que il y ait un brassage en plus pour améliorer les échanges. Et ça se voit sur le thermomètre qui m'indiquait déjà 19,8. Et une fois que j'ai mis le brassage, je suis à 19,7. Donc, ça va chauffer relativement vite, hein. Enfin, relativement. Il n'y a que 25 litres à chauffer en même temps. Donc, moi, pendant ce temps-là, je vais préparer mon sel. Pour ça, c'est facile. Je vais utiliser mon seau de sel. Et mon seau. Donc, ça, je vais le mettre là de côté.
mon bidon d'eau osmosée, en fait, je vais l'utiliser tout à l'heure pour vider, pour avoir pile 25 litres que je retire. Maintenant, je vais peser pour mettre dans le. Ça coupe beaucoup chez moi, mais j'ai aussi une mauvaise connexion. Ouais, mais ce matin, c'est vraiment horrible. Salut, salut. Ah, salut Christophe. Ouais, désolé, c'est vraiment immonde ce matin, ma connexion. Et donc, j'essaie de faire ce que je peux, mais là, c'est en dehors de mes compétences et de mes capacités du jour. Donc, bonjour tout le monde. C'est un enregistrement local, heureusement, et on verra ce que ça donne. Donc, pour mon sel, il me faut une quantité de sel bien précise. C'est-à-dire que j'ai 25 litres. Et sur mon sel, si je lis, on me dit qu'il faut 33 grammes par litre pour ce sel-là, pour être à 1020. Hein, c'est bien important de tout lire. Pour être à 1020, il me faut 33 grammes. 1020, c'est un petit peu bas pour mes coraux. Je préfère être à 1025. À 1025, je vais être aux alentours de 38-39 grammes. Donc, on va prendre une calculatrice que j'ai oublié d'ouvrir avant le live. Hein, donc, on va faire calculatrice. Et là, je dis 25 fois 38, ça me fait 950 grammes. Si je fais 25 fois 39, ça me fait 975 grammes. Donc moi, je vais me mettre quelque part entre les deux. Et puis, voilà. Hein? Et pour ça, je vais me mettre. Alors. Je pense que là, mon speed test, c'est même pas la peine que je le fasse. Je vais avoir une vitesse de connexion pourrie. Que tout est bloqué. Hein, voilà. Donc, je vais peser. Pour ça, j'ai ma balance que j'ai posée là. C'est simple balance. Là, il y a vraiment, il y a rien de magique. Et puis, bah, et tranquillou vers la pesée. Donc. Ça, c'est le tuyau qui va me servir à vider tout à l'heure. Hein. Je vais le mettre là sur l'aquarium. Ça craint rien. Voilà, ça tombera pas plus bas. Un verre qui, pourquoi pas, parce que j'aime bien doser avec des verres, mais ça, c'est ceux dans lesquels je bois, donc je vais éviter de confondre les deux. Mettre. Voilà, mon eau est déjà à 20 degrés. Alors, je pose mon seau avant sur la balance. Pourquoi? Pour la tare. Hein, parce que c'est important de ne pas déduire le poids du seau. Hein. Bonjour. Ça va pas, ça va mieux la connexion? J'espère. J'espère que ça va mieux. On verra. Le résultat final, en fait, sera à la hauteur de ma connexion Internet du jour. Donc, s'il y a bien un truc sur lequel je ne peux pas influer, c'est la qualité de ma connexion Internet. Je ne suis pas en ADS, je ne suis pas en fibre ici. Hein, contrairement à ce que certains pensent, je n'ai pas la fibre pour ma connexion. Et donc, je suis soumis aux aléas. Alors, est-ce qu'on voit quelque chose sur ma balance? Trois cents, 400, 500, 600, 700, 1000. Oh, punaise! J'en ai mis trop! Tellement de générosité! Oh là là! C'est pour ça que le verre, c'est pratique.
Voilà, je suis à quoi? 959. Donc je suis bien entre les deux de ce qu'il me fallait. Je vais laisser un verre là-dedans. Non. Mauvaise idée. Et puis voilà, c'est juste, j'ai préparé ma quantité de sel, donc je suis prêt. J'ai plus besoin de la balance. Un seul élément grandement technique du jour, hein, là-bas, une balance de cuisine. Et je continue à regarder, donc ici, mon eau. Elle est à 20,1 degrés. 20,1 degrés. Ça commence à être pas mal. On va pouvoir. Ouais, ma connexion est vraiment naze. Hein. Tout le monde doit être sur Internet ou je ne sais pas quoi. C'est instable au possible. C'est la loterie, ça. Vivement que j'ai une vraie connexion ici aussi. Et je ne sais pas quand ce sera. Alors, je vais commencer. En fait, je vais pas tout mettre en une fois. Si j'avais pas laissé le verre dedans, ce serait mieux. Je vais pas tout mettre en une fois, mais je vais commencer déjà à saler avec une première partie du sel. Alors là, on y va au jugé, hein, il n'y a pas besoin de dire je mets 50%, 30%. Là, je pense que j'ai mis à peu près un tiers. L'idée, c'est que ça va permettre de commencer à dissoudre une partie déjà du sel. Hein, et comme on n'est que à 20,2, une eau légèrement salée à 20,2 degrés, ça va, c'est pas mal. Hein, bonjour, ça va mieux la connexion, bonjour Frédéric. Ben, apparemment, ça va pas mieux, mais j'ai vos commentaires par moment. Donc, si par moment vous voyez. Vous me voyez répondre ou pas, sinon, bah, comme dit, les réponses, ce sera dans la fin du truc. Alors, 20,4, 20,5. Là, on commence vraiment à monter en température. Enfin, quand je dis on commence, on a déjà pris un degré, mine de rien, en quelques minutes. Parce que là, j'ai le stream qui est lancé depuis 18 minutes, j'ai mis quelques minutes à tout régler et ainsi de suite. On a pris, je pense qu'en un quart d'heure, il a pris un degré. Donc d'ici une petite heure, on sera bon en termes de volume, en termes de température pour tout faire. Donc ça, en général, on le lance et puis on a ça en tâche de fond. Moi, ce que je conseille, c'est de pendant ce temps-là, ensuite faire les vitres. Tranquillement, on va faire les vitres de son aquarium. On va faire l'entretien aussi de tout le matériel pour que lors du changement d'eau, on ait tout qui soit, on va dire, toutes les saletés puissent se retrouver dans l'eau que l'on va retirer. C'est ultra important ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là, je vais retirer le trophée. Poser. Là derrière, là où forcément vous. Comme ça, ce sera joli. Hein? Voilà, j'ai changé la déco. Hein? Voilà, mais quel design d'intérieur, mais wow! Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer la plaque qui m'évite l'évaporation. Celle-ci, je vais en profiter pour la nettoyer tout à l'heure. Donc, je la mets dans mon évier. Voilà, elle va prendre un petit coup d'éponge pour être de nouveau bien translucide et laisser bien sortir la lumière. Alors, c'est bon, j'ai fait des petites gouttes. Je vérifie que mes supports, ils sont bien propres. Je fais mes petits angles là où c'est un peu chiant et ainsi de suite. Là, je sens que j'ai encore bien de la vaseline de la dernière fois, donc je suis encore bon au niveau de ma couche de vaseline. Hein, c'est.
L'éclairage n'est pas encore allumé, mais c'est simplement que je ne l'ai pas défait. Hein, je suis obligé d'arrêter pour ma part. J'arrive pas à suivre du coup. Je vais m'occuper de mes bacs. Bonne Pâques à tous. La bonne Pâques à toi aussi. En fait, je peux pas regarder la qualité de la connexion et m'occuper du bac. Donc, j'essaie de regarder s'il y a des commentaires. Et puis, au pire, il y aura un replay. Ça a marché 3 minutes. Ouais. Non, c'était pas une balance de cuisine de précision. T'es pas au gramme près. Enfin, si, c'est une balance qui doit être à 5 grammes près. Hein. C'est pas un truc ultra précis. Mais on mesure après la densité. Donc la densité, on va la mesurer avec un aéromètre qui lui va nous dire on est bon ou pas. Mais en soi, il n'y a pas besoin d'avoir une balance de précision. Voilà, on monte tranquillement, on est à 22,5 degrés. Donc la température monte. Je vais pouvoir remettre un petit peu de sel. Alors même si c'est pas fini d'être dissous, hein, on remet un petit coup parce que puis le sel a tendance à prendre l'humidité. C'est-à-dire que si j'entrepose mon seau de sel un peu trop ouvert, ou bien que je l'entrepose dans une pièce humide, ou je l'entrepose dans un endroit qui n'est pas adapté, eh ben forcément il va prendre en densité. Donc c'est pour ça que je fais pas attention à la précision de ma balance, c'est plus ma mesure après qui va être importante. Et pour ça, j'ai mon aéromètre, hein, que je vais utiliser tout à l'heure. En fait, j'ai cette partie-là, ça sert à se remplir d'eau de mer et que ça déborde. Et j'ai ici l'aéromètre. Alors lui, qu'est-ce qu'on a dessus? Va être intéressant éventuellement d'en parler un petit peu. J'ai ici en fait une sonde de température. Ça va permettre de savoir à quelle eau, à quelle température est mon eau. Le mieux, c'est de l'avoir à 25, qui permet d'avoir ici la bonne lecture. Par contre, si je suis ici, je suis à 2, je fais moins 1, moins 2,5 au niveau de la densité. Si je suis ici, je fais plus 1, voire plus 2 en termes de densité. Et c'est là que je vois ma densité. Donc ici, 1028, c'est-à-dire que je suis très haut, s'il y a tout ça qui sort, je suis très bas, si j'ai que ça qui sort. Donc là, si je le mettais dans l'eau, je serais noyé. Et au fur et à mesure du fait que je vais ajouter le sel, ça va monter et ça va venir me mettre. Donc, où est-ce qu'il est mon 1024? 1024, mon 1025, il est à peu près au milieu du verre ici. Et c'est lui qui va permettre de me donner la vraie densité. Ce à quoi je fais attention, c'est à la propreté. C'est-à-dire que ça, je passe un coup de chiffon quand j'ai fini pour éviter qu'il y ait des résidus de sel qui s'accrochent après. Parce que si j'ai un gros résidu de sel qui ne se dissout pas, qui est accroché dessus, mon aéromètre, il va être un peu plus lourd. Qui dit plus lourd, dit descendre plus, et peut-être que ça va pas se dissoudre dans l'eau. Donc, je fais attention à ce que l'aéromètre, il soit à la bonne hauteur dans l'eau et qu'il soit propre pour avoir une bonne mesure. Hein, là, par exemple, je pourrais très bien venir mesurer ici. Donc là, forcément, hein, j'ai rien qui ressort parce que j'ai une densité très très faible. Mais j'ai une lecture qui est un petit peu tronqué parce que je suis derrière la vitre et ainsi de suite. Donc, dans le meilleur des cas, la mesure va se faire en dehors de l'eau.
J'ai l'impression que ma pompe de brassage, elle s'est pas mise en route. Je vais enlever mon pull pour. Excusez-moi, je vais poser le micro. Voilà. On revient. Alors, ma pompe de brassage, on est. En effet, elle n'a pas l'air de tourner. Qu'est-ce qu'elle me fait? Voilà, elle s'est mise à tourner d'un coup, mais forcément, maintenant, il faut que j'arrive à la refermer alors qu'elle tourne. J'ai pas envie d'aller toucher à la prise avec les mains pleines d'eau osmosée, salée, on va dire, même, puisque c'est un coup à faire une Claude François, hein, et c'était pas au programme, enfin pas aujourd'hui, quoi, c'est vraiment, voilà, comme j'étais concentré sur mes problèmes de connexion Internet, je n'ai pas remarqué que ma pompe ne s'était pas lancée. Alors, contrairement à un brassage dans un aquarium, là je brasse vers le bas. Pourquoi? Parce que c'est au sol que va se concentrer mon sel. Hein? Et forcément, entre mon action manuelle là, plus le brassage, je n'ai plus du tout de dépôt. Je fais attention aussi parce que comme là au fond, il y a un poids métallique, s'il vient vers l'aimant de la pompe, je suis collé dessus et donc j'ai une très mauvaise mesure. Donc c'est pour ça que dans l'absolu, la meilleure des mesures, c'est on vient, on remplit ça, on fait déborder. Et comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai une toute petite partie qui dépasse parce que ma densité, forcément, j'ai pas encore mis tout le sel, ma densité, elle est très mauvaise. Je fais attention en remettant dedans de pas en mettre partout. Compare vite fait aussi avec la densité dans mon aquarium. Qui est à 1025, 1026, donc je sais que je suis relativement haut dans l'aquarium. Voilà. Maintenant que ça c'est su, peux poser ça, je le mets à un endroit où ça va pas tomber tout de suite, et je vais pouvoir remettre un petit peu de sel, puisque là mon eau elle est à 24,5 degrés. Je vais vous montrer après le thermomètre. Donc là je mets la fin de mon sel, et pour rincer mon seau, je prends de l'eau, et puis ben je viens chercher la fin de mon sel. Voilà. Là, l'eau elle est pas translucide. C'est normal. L'eau, elle est encore pleine de microparticules. Donc, on fait attention à ne pas utiliser cette eau-là maintenant tout de suite. Et d'une, elle n'a pas la bonne densité, elle n'est pas uniforme, mais en plus, elle peut venir irriter nos poissons. Là, il n'y a pas eu d'autres questions entre-temps que je vérifie. Non. Un nombre négatif de spectateurs simultanés. Hein, c'est assez surprenant. Voilà, il me dit comme quoi l'état du flux est satisfaisant. Bon, bah, si l'état du flux est satisfaisant, tant mieux. Donc on va laisser comme ça se mélanger. Il faut un petit peu de temps. Encore le sel que j'ai utilisé est relativement rapide au niveau de sa mise en œuvre. Et donc j'ai l'allumage de mon aquarium. Hein, 10h40, c'est parce que ben j'aime bien en profiter le soir. Donc il s'allume relativement tard. Et là, il va falloir un petit peu de temps pour que les coraux se réveillent. Mais là, quand on regarde, l'eau, elle est ultra limpide.
Mais il y a quand même nécessité d'un changement d'eau. Enfin, hier soir, j'ai fait un énorme nourrissage. Hein, je profite la veille des changements d'eau d'un petit peu charger l'eau en faisant un énorme nourrissage qui me permet de bien charger cette eau que je vais enlever, même si c'est filtré. Donc, comme là, je n'ai qu'à attendre que ça se brasse. Je vais en profiter pour vider mon écumeur, tout ça. Donc maintenance classique. Donc il n'est pas très plein parce que je l'ai déjà vidé hier. Je vais peut-être m'approcher de la caméra. Voilà. Hein, éviter d'en mettre sur l'ordinateur. Mais voilà, il y a un petit peu d'écume. Hein, ce petit godet me tient la semaine. C'est vraiment content. Je rince toujours à l'eau claire mon intérieur d'écumeur parce que ben, y a, ça colle un petit peu sur les parois et s'il y a le moindre souci, ça fait tout ça de moins de pollution qui viendrait se dissoudre dans l'eau de l'aquarium. Je le remets tout de suite en place, c'est juste histoire de ne pas l'oublier. Parce que quand on pose à côté, on a vite tendance à oublier plein de trucs. Hein? Là, j'ai un moustique qui est passé dans l'aquarium. J'en profite pour lui passer un coup sur ma vitre. De chaque côté. Voilà. Alors je passe un coup, c'est à l'eau claire sans produit. Hein, comme ça, s'il y a une goutte qui vient, on va dire, si avec l'évaporation, il y a de l'eau qui venait à toucher la vitre et ensuite à retomber dedans, qu'elle n'apporte pas des produits détergents, ce genre de choses. Voilà. Bon, maintenant, voyons voir notre eau. Elle est déjà un peu plus transparente. La température, on est pas mal. Les petits grains de sel qui sont résiduels sur le fond, donc je viens légèrement les toucher pour voir. Et je vais refaire une mesure de ma densité. Et là, on voit que je suis un tantinet sur la partie haute, mais c'est pas grave. Comment je vais rattraper ça? Hein, c'est un excellent exercice. Comment rattraper quand on est sur une densité un petit peu haute? Eh ben, je vais tout simplement retirer un petit peu plus d'eau de l'aquarium et la remplacer par de l'eau osmosée. Et ainsi, je vais changer ma densité. Donc là, mon eau propre est prête, mais mon eau ici n'est pas encore retirée. Donc je vais me préparer pour faire pour retirer l'eau ici. Ce que je vais faire, donc ici, au cas où, quand je dis elle est prête, si on voit là, je suis à 24,8 degrés. Hein, c'est donc pour moi, ça s'appelle l'eau, elle est à bonne température, quoi. Donc, je vais couper la lumière, la pompe, l'écumeur. Voilà. Donc, pourquoi j'ai tout retiré? C'est pour éviter d'avoir des pompes qui tournent à sec ou ce genre de choses qui seraient gênants pour le matériel. Maintenant, on va procéder au retrait. Donc, pour ça, je vais remplir
le bidon dans lequel j'ai amené l'eau osmosée. Et pour ça, j'ai mon fameux tuyau. Ouais, bah, je mettrai le replay. Désolé, ma connexion est vraiment naze, mais j'enregistre tout ce que je suis en train de faire. Donc, je mets le bas ici dans ma cuve. Je viens remplir ici. Alors, j'avais montré en bouchant le bas, mais on peut aussi boucher le haut, hein. Tout aussi simple. Tac. Et voilà. Et je me suis foiré à quelque part. Ah, ici. Ouais. L'eau ne s'était pas bien. N'avait pas bien chassé l'air. C'est toujours le piège avec ces trucs-là, c'est quand on chasse pas bien l'air. Vais le refaire comme d'habitude en bouchant le bas, hein. Parce que là, ça va me gaver vite fait. Voilà. Alors, je disais, je bouche ici parce qu'apparemment, alors quelque chose d'en haut qui me Pourquoi ça veut pas? Bon, on va juste prendre un petit. Et c'est parti. Donc, en fait, il n'y a pas besoin d'aspirer des litres. Hein, vu que j'avais juste ça à aspirer, j'ai juste aspiré ça et ça suffit. Mais parfois, quand ça veut pas, ça veut pas. Hein, et puis en même temps, c'est l'effet. Ce qu'on appelait à une époque quand j'étais jeune, mais les plus jeunes ne peuvent pas connaître l'effet Bonaldi, c'est-à-dire que quand tu montres un truc, c'est à ce moment-là que ça marche pas. C'est classique. Et c'est pas grave. Hein? Où est-ce que j'ai mis ma pompe pour la reprise après? Je crois que j'ai pas préparé ma pompe de reprise. Hein, ça peut être un petit peu con, je vais la chercher. Alors, tranquillement, ça se vide. Dans le plus grand des calmes. L'avantage aussi de prendre juste ici, c'est que ça évite de prendre toute la microphone qui pourrait être sur les vitres ou bien dans le sable. Donc, j'ai cherché une pompe comme ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, avec le même tuyau avec lequel j'ai vidé, je vais venir remplir. Ça m'évitera de soulever 25 kilos d'eau. Et puis voilà. Je vais te fermer ma porte. Des voisins vont m'entendre. Et c'est pas le but. Quoi qu'ils ont l'habitude que je parle tout seul, hein, et que je fasse des trucs bizarres, mais bon. Les pauvres. Là, on est bientôt au bout des 25 litres. Voilà, je désamorce. Donc à partir de là, je ne vais plus rien retirer de l'aquarium. Je vais pouvoir brancher mon tuyau sur une pompe, mettre ladite pompe dans l'aquarium de préparation. Je n'ai plus besoin du chauffage ni du brassage puisque à partir de là,
Bah super, et j'ai vraiment du bol moi avec mes pompes aujourd'hui. Dirais pas la marque de la pompe, promis. Mais là. Bon, original. Je me suis dit que j'allais m'épargner du travail. Ben, ce ne sera pas pour aujourd'hui. Donc finalement, ça, je peux le retirer de l'aquarium. Et on va le faire à l'ancienne. Donc, bien sûr, pour éviter de mettre tout le matériel technique n'importe comment, je le stocke dans mon seau. Hein, tout va arriver là. C'est juste. Voilà, c'est du stockage. Je reprends la pompe de brassage avec son aimant. Je vais coller de l'autre côté de la paroi du seau, comme ça, elle bouge pas. Ensuite, décolle mon chauffage que j'ai débranché, bien sûr, hein, pour éviter de l'abîmer. Voilà, dans le seau pour éviter d'avoir tout trempé dans. Et bah, pour éviter de tout soulever en une fois, je vais y aller avec. Est-ce que j'ai pas une cruche un peu plus grosse? Mon gros bro, je l'ai pas ici. Il est en France. Hein, je vais retirer déjà quelques litres et après je vais soulever. En même temps, ça les acclimate à la nouvelle eau. Lol. Je vais faire gaffe en retirant l'éclairage. Pour éviter de le tremper. Ce serait dommage. Que c'est quand même un équipement essentiel et qui n'est pas donné sur un aquarium. Enlever 1 litre, quoi. Ça va être long. Pas plus gros. Oh! On va éviter de faire ça. Non, mauvaise idée. Un petit peu pauvre là sur ce coup-là. Donc on va continuer. La dernière fois, quand j'ai soulevé les 25 kilos de flotte à la hauteur du bac, c'était quand même relativement costaud. Bon, là, j'ai dû en enlever un petit peu. Et puis, on va faire l'homme fort, hein. Il n'y a pas le choix. Il faut y aller. Faut y aller. Bref, ça, glisser. Voilà. Maintenant, je peux remettre l'éclairage en place. Alors, la pompe que je voulais utiliser vient de se mettre en route. Je vais avoir un timer. C'est une nouvelle fonctionnalité, hein. Je me mets en route quand t'en as plus besoin. Bon, alors, souvent pour la maintenance, j'utilise du matériel que j'utilise plus vraiment pour de vrai. Et voilà quoi. Bonjour monsieur, ça fait plaisir d'être en direct avec toi. Ben ouais, ça fait plaisir, Sébastien. On
Voilà. Donc, j'ai de nouveau. Ah, si, j'ai une connexion. Mais elle est vacillante. Hein, on va dire ça comme ça pour être poli. Alors, on va pouvoir remettre en route. Voilà. Donc là, l'eau, elle est un petit peu troublée. C'est pas bien grave. On va la laisser s'éclaircir tranquillement. J'ai en même temps, vu que j'ai fait un gros renversement, si ça se trouve, j'avais un peu de sédiments sur mon décor. Normalement, non, mais peut y avoir un petit peu de sédiments qui s'est retrouvé dans l'eau. Voilà. Donc, la phase suivante, c'est de refermer un petit peu tout ça. Donc, je referme la décante arrière. Je remets ma plaque. Voilà. Alors, vous allez me dire, oui, une plaque en tissot, machin chose. Et comme je disais, sur la plaque de verre, c'est super intéressant parce que ça évite l'évaporation. Voilà, je passerai au gex-vitre un petit peu plus tard, puisque là, la priorité, ça va être de ranger. Maintenant, à quoi on se rend compte que ça change quelque chose de faire un changement d'eau? C'est très très simple. Quand on prend l'eau que j'ai retirée, alors celle-là, elle est plutôt translucide. Mais il peut arriver que le bidon, il a l'air jaune. Et ça, c'est signe que, que mon eau, elle a un souci. Donc on fait très attention. On se sent aussi les mains parce que quand on a mis les mains dans l'eau, si ça pue, c'est un signe. C'est signe que l'eau elle est polluée. Et on fait attention à tout ce genre de petits détails. Voilà. Je mets ma déco comme j'aime, hein. Bon, on voudrait pas, je pense. C'est la fin, je pense, de ce live. On n'a pas beaucoup discuté parce que ma connexion était vraiment pourrie. Je vais mettre le replay de ce que j'ai enregistré en local sur sur YouTube. Hein. Si il y a des questions qui se posent, bien sûr, vous posez les questions dans les commentaires en dessous des vidéos. Et moi, c'est avec plaisir que je vais vous répondre. Mais je m'étais dit, tiens, on se fait une matinée chill. On va faire la maintenance du bac. Ça va permettre de s'amuser un petit peu. Et j'espère que c'est ce qu'on a fait. Et puis voilà. À bientôt pour d'autres vidéos. Ben bravo, c'est maintenant que tu poses la question. Tu me conseillerais à quel moment de faire mon premier changement d'eau dans un jeune bac? Le mien à 4 mois, merci d'avance. En général, le premier, on le fait un petit peu après la fin du cycle, c'est-à-dire qu'on laisse le cycle se terminer et 2-3 semaines après, on peut commencer à le faire. Donc moi, je pense qu'au bout de 4 mois, tu peux commencer à faire un changement d'eau. Hein, c'est. Comme tu le vois, c'est pas compliqué, surtout sur un. Je ne sais pas quelle est la taille de ton bac, mais sur un anneau comme celui-ci, par exemple, eh ben, ça prend pas de temps, et puis t'as vite un gros pourcentage de ton bac qui est changé. Juste essayer un truc. Direct live. Forcément, j'ai la branche qui se met devant la caméra. Voilà. Voilà, comme ça vous voyez le bac. Hein, c'est vous qui avez les lunettes jaunes sur la caméra pour voir le bac. Hein, parce que comme ça, il est vraiment bleu. Là, on voit à peu près. Hein, c'est.
un petit peu sympa. Donc voilà, il y a investissement risqué qui me dit bonne journée. Bah ouais, bonne journée, bon courage, gars. Allez, fin du live.